Et donc salut à tous et à toutes, c'est AftersGamer49, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle impression. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo sur Ghost. Donc une nouvelle impression sur un fusil d'assaut nommé la SC-2010, je ne l'ai pas fait. J'ai fait la SA-805 précédemment. Alors si je vais vous mettre la petite miniature pour que vous pouvez, pour vous permettre d'y accéder tout simplement. Alors, pour commencer je vais... Attendez, parce que j'utilise un logiciel pour défiler les photos que j'ai mis. Donc avec la SC-2010, vous allez mettre un viseur laser. Alors, pourquoi un viseur laser? Ça pour viser beaucoup mieux, certes. Excusez-moi. Mais surtout pour la portée, la précision, tout ce qui est... Enfin, je dirais plutôt la précision. Parce que moi, personnellement, j'ai énormément de mal à préciser. C'est-à-dire que quand je vise, vous allez pouvoir le voir dans le gameplay. Je vise et d'un coup, je sais pas pourquoi, avec mon joystick, je bouge et du coup, bah, ça fait n'importe quoi. Donc moi, je pense que j'en ai vraiment besoin. Après, à vous de voir, moi, je vous conseille juste un silencieux comme d'habitude, simplement pour pas se faire repérer par les ennemis en secondaire. En secondaire, je ne vous conseille aucune arme. Enfin, personnellement, je vous conseille aucune, mais si vous voulez, au cas où, vous en mettez une. En mortel, ce que vous voulez, en tactique, pareil. En atout, alors en atout. Comme d'habitude pour les 4 premiers, enfin on va dire, c'est à peu près à chaque impression j'utilise les mêmes atouts, donc vous pouvez choisir ce que j'ai mis tout simplement. Sauf que là j'ai mis un petit nettoyeur simplement pour ne pas dévoiler le lieu de mort de vos victimes. Par exemple moi qui essaye en ce moment de faire la KM, vous allez pouvoir voir dans le gameplay que j'ai pas forcément, comment dire, enfin je fais une partie... assez mauvaise tout simplement parce qu'en fait j'ai pas joué à Call of depuis environ peut-être une semaine ou deux, parce que j'ai joué à autre chose tout simplement, à Skate 3, Minecraft, parce que j'ai acheté, j'ai eu Minecraft sur PS3, du coup j'ai joué un petit peu avec mon ami Darkfire, du coup ne vous étonnez pas si je fais une partie assez pitoyable on va dire. Quoique, même si la partie, on va dire que je crois que je fais un... Je crois que j'ai une mort de moins que mon score. Enfin, j'ai dû faire du 24-23, un truc de ce genre. Donc, c'est pas énorme, hein, franchement. Comparé à d'autres youtubeurs. Ensuite, pour terminer, on va dire la phrase. On va dire. La phrase, on va dire. La petite introduction pour l'arme. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour arrêter de dire parce que c'est vraiment très gênant. Donc voyez, je recommence. Un équipement de combat, je vous conseille ce que vous voulez. Moi personnellement c'est le chien, si je me rappelle bien, donc le chien, le hind et la tourelle automatique, normalement c'est ça je pense. Alors on va tout de suite passer au gameplay, j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve à tout de suite. Allez, à tout de suite les gens, et je sais que ça fait deux fois que je dis. Donc sur le gameplay qui va suivre, je pense que vous allez être étonné un petit peu de mon score vu que je fais du 28-24, donc j'avais dit du 23-24 mais je me suis trompé. Du 28-24, donc 4 kills avant le nombre de morts, c'est-à-dire que j'ai 4 kills de plus que ma mort. C'est pas énorme mais comme je vous dis j'ai repris. Puis justement vu que j'ai fait 2 semaines d'absence on va dire sur Call of Duty Ghost, j'ai quand même joué on va dire 2-3 jours sur BO2, parce que faut croire que je pense que je suis pas le seul à, on va dire, à, comment dire, bah en avoir marre tout simplement de Call of Duty Ghost. Je pense que je suis pas le seul, franchement. Moi ça me commence un petit peu à m'énerver, c'est pas par rapport à la série hein, c'est pas pour ça d'ailleurs que j'ai fait une pause sur cette série hein, c'est simplement parce que j'avais pas forcément le temps on va dire. Parce que vous avez pu voir que j'ai pas sorti de vidéo le week-end dernier, alors que normalement j'en sortais une fois par week-end. Donc une vidéo une fois par semaine normalement. C'est juste que j'avais pas vraiment le cœur à jouer à Ghost tout simplement. Donc je voulais faire une vidéo sur BO2 avec mes potes. Mais je vous en reparlerai après de ce petit projet que j'ai en tête. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un petit peu des projets tout simplement annulés pour l'instant, j'ai envie de dire, sur ma chaîne. Donc il y aura... J'avais dit sur une précédente vidéo, je vous mettrai tout simplement aussi la miniature de la vidéo, donc vous pourrez cliquer dessus pour accéder à la vidéo et voir ce que j'avais dit. Donc j'avais dit que j'allais faire des jeux d'horreur, donc des horror games. Moi personnellement, bah j'ai pas envie de dire que ça va m'énerver et que je vais avoir peur, non c'est pas ça. J'ai essayé de tourner une vidéo comme ça,
c'est pas passionnant, c'est-à-dire que j'essaie de me filmer avec une caméra, mais j'ai l'impression de pas être à l'aise par exemple de vous parler comme ça, de dire sans me voir, c'est-à-dire que par exemple je suis, on va dire, dans la vie je suis très timide, on va dire. Mais c'est vrai, je suis assez timide, on va dire. Par exemple en classe je ne participe jamais, enfin ça c'est une autre histoire, mais pendant les vidéos je parle sans être timide parce que je préfère mieux parler derrière un écran. Bien sûr, je suis pas comme plusieurs noobs, hein, par exemple sur Call of qui insultent derrière leur écran. D'ailleurs, récemment, j'ai joué contre des noobs, enfin on va dire des noobs, contre des rageux, qui commençaient à nous insulter. On a fait un 3 vs 3, donc j'étais avec mon ami Darkfire et un des amis à Darkfire. On les a eus, enfin on a gagné bien sûr au sniper. Puis ils continuent à nous insulter, et puis nous on avait tellement marre que. Et des petits rageux de 12 ans, voire même 10, qui nous traitaient derrière leur écran, mais qui feraient pas le malin devant nous. Tout simplement. Ensuite, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Les horror games. Ah oui. Donc, je ferai plus de horror games, de toute façon, parce que. Ah oui, je parlais de la timidité, excusez-moi. Je suis pas quelqu'un de méchant, on va dire. Enfin, je sais pas trop comment dire en fait, parce que moi, j'insulte personne, enfin. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à faire rager les autres pour faire par exemple des 1v en sniper n'importe quoi. Moi j'insulte pas. Je suis même très gentil avec ceux qui jouent avec moi. Hein. Simplement je les respecte hein, pour leur niveau sur Call of Duty parce que je sais que le mien n'est pas excellent non plus. Enfin bref, c'était une petite parenthèse sur, on va dire, ma petite vie privée. Enfin, entre parenthèses. Hein. Donc ensuite, j'avais parlé des vidéos Minecraft PC. Donc je vais pour l'instant annuler ce projet. Tout simplement parce que vu que je l'ai eu sur PS3 et bah je joue plus trop sur PC. Du coup les vidéos sur PC bah c'est, on va dire, pour l'instant c'est mis dans un côté, et comme dirait ma prof de français, je le mets au frigo et je le ressortirai plus tard. Oui, elle dit vraiment ça, c'est elle est super sympa comme prof. Enfin bref, des fois elle est un peu sévère, mais c'est pas grave. Bon, je vais arrêter cette petite parenthèse sur ma prof de français. Donc il n'y aura plus de vidéo Minecraft sur PC pour l'instant, parce que je lag, enfin dire je lag. J'ai eu un nouvel ordinateur, donc un ordinateur portable, c'est avec lequel en ce moment j'ai filmé le gameplay. D'ailleurs je suis assez impressionné parce que j'avais testé de filmer une partie de Call of Duty Ghost avec mon petit cousin, et voilà, on a joué une petite partie en écran scindé, et je sais pas pourquoi il y avait plein de bugs pendant la capture d'écran. J'ai réessayé et là ça fonctionne, donc ça c'est pas mal. Je pense que ça devait être un petit bug, je sais pas pourquoi. Enfin, bref, je ne sais pas. Je voudrais faire des vidéos justement. Donc c'est, on va dire qu'on sent un petit peu du projet annulé par la chaîne, mais on va aller du côté de ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire que je vais essayer de faire des vidéos en live sur PS3, ce que j'ai du mal à cause du Elgato Game Capture HD, comme beaucoup de personnes le sachent. On peut pas, on va dire, prendre. Par exemple, Audacity, filmer en même temps et puis poum, vous parlez. C'est pas ça du tout, c'est qu'il y a un décalage d'environ quelques secondes. J'ai déjà essayé de faire avec le décalage, c'est-à-dire que par exemple sur Skate 3, j'ai essayé de faire une vidéo de détente et justement il y avait trop de. Le son, j'avais bien fait. Hein. J'ai commencé à parler à partir d'un moment précis où j'ai décidé de commencer. Et dès que j'ai commencé sur la capture d'écran, donc tout était bon, hein, j'ai bien mis à la seconde près. Mais quand j'ai fait au montage, mais il y avait là du décalage, du coup ça m'a saoulé. Alors je vais essayer de faire ça. Enfin, je vais essayer des vidéos avec des potes aussi sur Minecraft PS3, justement parce qu'on a fait un, on est en train de, on fait des, on est en train de faire un survie assez stylé. Franchement, si je pouvais le filmer, je le ferais, mais c'est dommage pour les voix. Excusez-moi, mais j'essaierai de changer ça. Ensuite, voilà, je suis en train de regarder ma petite liste que j'ai fait. Voilà, donc des parties aussi de League of Legends sur PC avec ma team. Parce que j'ai créé une team récemment. On n'est pas. On est en fait, on va dire qu'on est tous des débutants, enfin sauf peut-être un ou deux. Alors pour vous dire, dans la team, il y a Rafa Guada. Que je sais pas. Oui, vous êtes. J'ai déjà fait des vidéos avec lui, des vidéos délire sur The Hidden Source. Enfin bref, j'ai fait des vidéos avec lui. Rafa Guada, je me rappelle plus, Try Fondator, excusez-moi. Donc mon compagnon de ma chaîne secondaire, Studio Loss Gaming d'ailleurs, il y aura bientôt une vidéo hein,
c'est en préparation. Il y a qui d'autre? Il y a le chef de la team Taiga, donc ma team sur Ghost, enfin sur tous les sur la PS3. Donc il y a le chef de la team où je suis. Il y a Rouge Turquoise. Donc ça, j'ai pas fait de vidéo encore avec lui, hein. Faudra qu'on fasse ça un jour. Et je crois que c'est tout. Attends. Oui, c'est tout. Ouais, enfin bref, on est que 5. Si j'ai bien compté avec moi. Attendez, je compte alors. Oui, enfin, je vais compter en hors caméra au pire. On est 5 pour une team complète de League of Legends, tout simplement. Franchement, on s'éclate bien. Enfin, pour l'instant, on n'a pas fait vraiment de match tous ensemble. Par exemple, pour l'instant, j'ai joué qu'avec Tryfondator et Flav. Enfin, Flav, Rouge Turquoise, pardon. Qu'avec Tryfondator et Rouge Turquoise, tout simplement, parce que Rafa Guada n'avait pas encore fini la mise à jour. Et puis, le chef de ma team pour raison de problèmes techniques, on va dire, ou problèmes d'accessoires, ne pouvait pas venir. Ça a été très dommage. Ça pour tout, je pense. Je vais un petit peu parler du gameplay parce que j'ai un petit peu parlé d'autres choses, on va dire. Vous allez pouvoir le voir. Je fais vraiment, c'est catastrophique ce que je suis en train de faire. Des fois, enfin, je crois que c'est à partir de ce moment-là. Non, c'est un petit peu plus loin. Parce que la vidéo dure 14 minutes exactement, je pense. Ce qui est énorme, on va dire, pour une partie de code. Hein. Je pense pas le cacher. Hein. Je pense que c'est assez grand, mais même si c'est en domination. Je vais faire une série de Siki, je crois. Enfin, c'est plutôt vers la fin, oui. Vers la fin que je fais une série de Siki. Je vais avoir mon clébard, et puis voilà. Ouais, mon clébard. autrement, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Oui, il y aura une prochaine vidéo qui sortira normalement pour me faire rattraper du week-end dernier ce week-end. Ce sera une vidéo découverte, hein, donc un test and play. Je vous dis pas le nom du jeu, mais en tout cas vous pouvez déjà savoir que c'est sur PS3. Pardon, excusez-moi. Je vais couper ce montage. Ouais, la magie du montage. Enfin, peut-être pas, on verra. Donc ce sera un jeu sur PS3. Je vous le dis tout de suite. Quel jeu, je vous le dirai que quand ce sera venu. Je pense que je vais arrêter la vidéo et vous laisser profiter du gameplay, parce que je n'ai plus rien à dire. J'ai dit un petit peu tout ce que j'avais dans ma tête, hein, tout simplement. Surtout aussi, ah oui, j'avais oublié, c'est que si jamais vous voyez qu'il y a une baisse de vidéo, tout simplement parce que faut vraiment que je commence à me bouger les fesses, on va dire, au niveau du travail scolaire. Je veux pas dire que mes résultats ils sont pas bien, hein, sont normal, on va dire. Malgré quelques notes insuffisantes, mais c'est pas grave. Enfin, je dois vraiment me rattraper. Et du coup, en ce moment, j'ai moins de temps. Des fois, je joue même plus à la PS3. Le soir, je regarde juste. Je vais juste des fois sur l'application Game One qui est sur PS3. Malheureusement, il est plus en gratuit, à ce que j'ai entendu. Moi, j'ai eu pendant que c'était gratuit, donc j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, maintenant, je passe un petit peu mon temps sur Game One, mais en même temps, je suis sur l'ordinateur. Ou alors, je travaille. Donc là, il y a certainement des personnes. Genre, je te crois ce que dire. Toi, travailler, non, c'est pas possible. Et bah, si, faut croire que si. En ce moment, je travaille. On va dire que je laisse un peu la PS3 de côté. Quoique, quelquefois, je joue plutôt. Je joue à. Quand j'ai du temps. Par exemple, cet après-midi, donc on est mercredi après-midi, il est exactement 16h pile. Je vais jouer un petit peu. Jusqu'à, je pense. Je sais pas trop. Enfin bref, je pense que vers 17h je vais commencer à faire mes sons. Et puis après je vais jouer, on va dire, à peu près toute la soirée, hein, tout simplement parce que mercredi on va dire que c'est un petit peu un moment de détente. Surtout qu'en plus j'ai fini à 11h20 parce que mon emploi du temps est très 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 très, très cool. Bon bah je vais arrêter cette vidéo là, il reste 3 minutes de gameplay. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer la vidéo. Sur ce les amis, à la prochaine, allez, ciao, bye tout le monde. Communication satellite ennemie détectée.
Au sol ennemi repéré.